de pouvoir aller à la fête foraine après les cours. Alice, merci beaucoup de nous avoir amenés ici. C'était beaucoup trop génial. Oui, merci beaucoup, Alice. Franchement, on s'est super bien amusés. C'est vraiment top que tu nous fasses tout visiter ici. Votre professeur a eu raison de te choisir pour nous accompagner durant notre échange scolaire ici dans ton école. Franchement, on ne pouvait pas rêver un meilleur guide que toi, Alice. Oh, merci beaucoup, les filles. Vous êtes vraiment beaucoup trop gentilles avec moi. Vous savez, c'est un vrai plaisir pour moi de passer du temps avec vous. Vous êtes si gentilles. Le plaisir est partagé, Alice. Avec Mila, on était certaines qu'on ferait de très belles rencontres durant cet échange scolaire. Et toi, tu es encore une plus belle rencontre que ce qu'on pouvait imaginer. On est vraiment super heureuse de t'avoir comme amie maintenant. Oui, c'est vrai, Alice. Maeva a raison. On est trop heureuse de t'avoir comme amie. Maintenant, on forme un super trio. Bon, allez, c'est pas tout, mais moi, j'aimerais bien bronzer un petit peu avant de retourner à Brookhaven. Allez, je m'allonge un petit peu sur le sable avant qu'on doive repartir, ok les filles? Oui, pas de soucis Mila, mais attends, tu veux pas te mettre sur la chaise là? Non, non Maeva, merci, je suis trop bien sur le sable, j'adore ça. A few moments later. Bon, c'était bien sympa, mais je sais pas vous les filles, mais moi, je commence à avoir hyper faim. Oui, moi aussi, j'ai une vraie faim de loup. Alors, du coup, Alice, dis-nous, où est-ce qu'on pourrait aller manger, s'il te plaît? Alors les filles, si vous aimez bien les burgers, je pense que je connais l'endroit idéal. Ils font les meilleurs burgers de toute la ville. Je pense que vous allez adorer, ils sont délicieux. Super idée ça, Alice! J'aime trop ça les hamburgers. Bon alors, c'est où cet endroit génial? C'est pas loin d'ici. Venez les filles, suivez-moi, je vous y emmène. Oui, oui, on arrive, Alice. Non mais elle est pas hyper gentille, Alice? Oui, elle est vraiment adorable. On est tombé sur une perle. Je suis tellement contente qu'on l'ait rencontrée. Bon, allez, viens, Mila. Elle nous attend. Il est temps qu'on y aille. En plus, j'ai beaucoup trop faim. Allez, viens. J'arrive! Ah mais oui, ça a l'air trop bien ici. C'était l'endroit idéal. Alice, tu as super bien choisi. Je savais que ça vous plairait, les filles. Et vous n'avez pas encore goûté leur burger. Vous allez m'en dire des nouvelles. Bon, alors plus une minute à perdre. On va passer commande. Vous voulez manger quoi? C'est pour moi. C'est moi qui vous invite aujourd'hui. T'es sûre, Maeva? C'est à mon tour, là, non? Mais non, Mila, c'est pas à ton tour. C'est à mon tour. Allez, et puis ça me fait plaisir. Tu es sûre, Maeva? De toute façon, moi, je n'ai pas d'argent. Mes parents ne me donnent pas d'argent de poche. Je ne peux jamais rien m'acheter. Eh bien, écoute, ça tombe bien, Alice. De toute façon, j'avais prévu de vous inviter. Donc voilà, dites-moi juste vos choix et je passe la commande tout de suite. Bonjour monsieur, alors il nous faudrait s'il vous plaît 3 menus méga XL avec immense frites et immense boissons s'il vous plaît. C'est noté jeune fille, on vous prépare ça. Ça fera 50$ s'il vous plaît. Tenez monsieur, voilà. Merci mademoiselle, je vous laisse vous installer où vous voulez et puis on viendra vous apporter vos menus à table, d'accord? Très bien, merci beaucoup monsieur. Allez venez les filles, on va s'installer ici. Alors les filles, vous pensez quoi de ces burgers? Ils sont délicieux, encore meilleurs que ceux de Brookhaven. Ah mais oui, carrément, ils sont trop bons, c'est sûr, on reviendra. Encore une fois, Alice, tu nous fais découvrir un super endroit. Bon, pour la ligne, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est sûr. Mais une fois de temps en temps, on peut quand même se faire plaisir. Et puis, de toute façon, on sera parti dans quelques jours. Alors c'était aujourd'hui ou jamais, hein. Ouh là là, je ne veux même pas entendre parler de votre départ. J'aimerais que vous restiez ici pour toujours. Tu sais, Alice, on adore cet endroit. Mais chez nous, c'est à Brookhaven. Mais sache qu'on restera en contact, ça c'est sûr et certain. Si tu le souhaites, bien sûr. Bien évidemment que je le souhaite. Et puis, tu sais, Alice, tu pourras aussi venir nous rendre visite à Brookhaven. Tu es la bienvenue chez nous. Tu peux venir nous voir quand tu le veux, d'accord? Merci beaucoup, les filles. Bon, je me suis mis de la sauce de partout. Il faut absolument que j'aille me laver les mains. Qui veut venir avec moi, Alice, Maeva? Ça va, Mila? Moi, j'ai mangé proprement. Je me suis pas mis de sauce de partout. Écoute, Mila, moi, par contre, je m'en suis aussi mise de partout. Du coup, je vais venir avec toi. Alice, c'est vrai que tu as mangé comme une véritable princesse. Par contre, avec Mila, à chaque fois, on s'en met partout. Bon, on revient tout de suite, d'accord? Oui, oui, je vous attends, les filles. Tiens, tiens, je me promenais par là. Et qui ai-je vu par la fenêtre? Notre insupportable Alice. En plus, elle est seule, ça tombe bien. Il n'y a pas ses deux nouvelles amies autour d'elle qui la protègent. Elle n'est plus jamais seule maintenant, je n'arrive plus à aller lui dire des méchancetés. Ça commençait vraiment à me manquer. Mais là, je vais pouvoir me faire plaisir. Salut Alice, alors, comment ça va? Tu n'es plus avec tes deux acolytes? Ça y est, elles se sont rendues compte à quel point tu étais insupportable et elles t'ont abandonné. Rien de plus normal. Tu croyais vraiment que c'était tes amis, ces deux-là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as suivie? Pourquoi est-ce que tu es toujours aussi méchante? Je ne t'ai rien fait, moi. Décidément, Alice, tu te sens vraiment pousser des ailes. Depuis que Suzy et Betty sont allées à Brookhaven et que les deux nouvelles sont arrivées. Mais ne t'inquiète pas, j'ai un message pour toi de la part de Suzy et Betty. Elles te disent de ne pas trop prendre tes aises en leur absence. D'ailleurs, elles m'ont dit qu'elles t'enverraient un snap dans pas longtemps. Alors, garde bien ton téléphone sur toi, d'accord? Il ne faudrait pas que tu rates leur snap.
À ce que je vois, Suzy et Betty sont toujours aussi méchantes. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Je suis sûre que ça va les faire mourir de rire. Puisque tu es là, je vais en profiter pour faire un snap et je vais leur envoyer. Alors fais-moi un petit sourire, Alice. Pourquoi as-tu toujours cette mine déconfite horrible? Bon, c'est pas grave, de toute façon, on n'obtiendra rien de mieux de ta part. Et voilà, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à envoyer le snap à ma Suzy et ma Betty. Je suis sûre qu'elles vont bien rigoler en voyant cette tête. Allez, je vais leur écrire que tu te sens vraiment pousser des ailes et qu'il est vraiment temps qu'elles reviennent. Très vite, le plus vite possible. Moi, je suis pas vraiment pressée qu'elles reviennent. Eh bien, que tu sois pressée ou pas, sache que ce n'est plus qu'une question de jour, très chère Alice. Encore toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de dire à Alice encore? Des méchancetés, j'imagine. Et encore toi, moi qui pensais qu'elle était enfin seule. Tu n'es jamais bien loin, tu es toujours là à te mêler de tout ce qui ne te regarde pas. Je ne me mêle pas de ce qui me regarde pas. Je protège mon ami, c'est tout. D'une terrible sorcière. D'ailleurs, il est temps que la sorcière s'en aille. De toute façon, j'en avais fini avec elle. Allez, ciao. Alice, ça va? Elle n'a pas été trop méchante avec toi, j'espère. Ça va, merci Maïva. Tu sais, elle a été, comme d'habitude, horrible. Mais malheureusement, c'est mon quotidien avec elle, Suzy et Betty. Oh non, mais elle est vraiment insupportable cette fille, et je n'ose même pas imaginer lorsqu'elles sont à trois autour de toi. Et voilà, j'ai fini. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous faites ces têtes? Eh bien écoute Mila, c'est juste que la copine de Suzy et Betty était là et elle a dit encore des atrocités à Alice. Quoi? Encore elle? Mais décidément, elle est partout, elle ne te lâche jamais. C'est pas possible, c'est du véritable harcèlement, ça ne peut plus durer. Oui Alice, Mila a raison, ça ne peut plus durer cette histoire. Sache qu'on ne repartira jamais à Brookhaven en te laissant dans cette situation. On va trouver une solution, c'est sûr et certain. Tu ne peux pas continuer comme ça, on ne sait pas comment est-ce que ça peut finir. Ces choses-là peuvent être extrêmement graves, le harcèlement est très grave, il faut que ça s'arrête. Oui, ça me fait énormément souffrir depuis des années. D'ailleurs, apparemment je devrais recevoir un snap de la part de Suzy et Betty. Ça y est, je crois que c'est elle. Oh non. Pourquoi est-ce qu'elle ne me laisse jamais tranquille? Même à l'autre bout du monde, elle continue à me harceler. Je ne m'en sortirai jamais. Ah non, mais c'est incroyable, Maïva. Mais attends, mais je croyais que Suzy et Betty étaient devenues gentilles. Après toute cette histoire de The Dance et tout, on s'était quittés en super bons termes. Je pensais qu'elles avaient compris qu'il fallait qu'elles arrêtent d'être méchantes. Bah oui, Mila, moi aussi j'étais persuadée qu'elles étaient devenues gentilles. Mais après, je me suis dit, chasser le naturel, il revient au galop. Du coup, j'ai pensé qu'en notre absence, leur nature méchante était revenue à la surface. De toute façon, il ne peut pas y avoir deux autres Suzy et Betty. Non mais attends, attends. Alice, tu viens de recevoir leur snap, c'est ça? Il y a leur photo? Oui, bien sûr qu'il y a leur photo. Elles mettent leurs photos de partout. Elles sont tellement imbues de leur personne. J'arrive plus à supporter ce harcèlement, je peux plus. Alice, calme-toi, s'il te plaît. Oui, Alice, s'il te plaît, arrête de pleurer. Passe-moi ton téléphone. Il faut absolument que je voie à quoi ressemblent ces deux autres sorcières. Oui, tiens, Mila. Tiens. Maïva, je suis choquée. I am shocked. Attends, t'es même pas prête. Qu'est-ce qu'il y a, Mila? Qu'est-ce qui se passe? Passe-moi ce téléphone, faut que je regarde. Tiens, regarde. C'est pas notre Suzy ni notre Betty. Rien à voir. C'est deux autres Suzy et Betty, mais c'était quoi la probabilité pour qu'on tombe sur deux méchantes filles qui ont les mêmes prénoms? Bon, en tout cas, maintenant, on en a le cœur net, ce n'est pas du tout notre Suzy ni notre Betty. Elles ont dû rester gentilles et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Par contre, celles-ci ont l'air encore pires. Tes pires cauchemars reviennent bientôt? Non, ça va s'arrêter, c'est sûr et certain. Ne t'inquiète pas Alice, tu sais quoi, on va prendre les choses en main et tu vas voir, tu ne seras plus jamais harcelée de ta vie. Plus jamais, c'est sûr et certain. Cette histoire ne peut pas continuer, ça ne peut plus durer comme ça. Tu as raison Maïva, il faut que ça s'arrête. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as une idée au moins? Je sais pas Mila, mais ne t'inquiète pas, je vais trouver. Ça y est, je sais ce qu'on va faire. Alors ça ne va peut-être pas résoudre le problème d'un coup, mais en tout cas, ça va clairement arranger la situation et au moins, elles n'auront plus aucune matière pour critiquer notre Alice. Je sais ce qu'on va faire. Super Maïva, ne t'inquiète pas Alice. Ça y est, Maïva a un plan. Il va juste falloir que tu nous fasses confiance, d'accord? D'accord les filles.
Je vous fais confiance. Vous êtes mon dernier espoir. Le dernier. Ne t'inquiète pas, Alice, on va t'aider à t'en sortir. Rendez-vous demain matin, d'accord? Super Alice, tu es à l'heure. Alors, est-ce que tu as deviné ce qu'on va faire aujourd'hui? Non, je sais pas, Maïva. Je sais vraiment pas ce qu'on va faire qui va pouvoir m'aider à me sortir de cette histoire. Je sais pas, mais j'ai confiance en toi. Eh bien, écoute Alice, on va te relooker complètement de la tête aux pieds. On ne va pas te changer, on va juste te faire ressortir ta magnifique personnalité. Tu verras. Oui Alice, Maïva a raison. Tu es une personne exceptionnelle, mais c'est dommage, ça ne se voit pas. On va t'aider, d'accord? Mais les filles, j'ai pas d'argent. J'ai pas de quoi me payer de vêtements. Ce sont les seuls vêtements que mes parents m'achètent. J'ai que deux ou trois tenues que je remets à chaque fois. Et c'est aussi pour ça que les filles se moquent autant de moi. Je pourrais pas payer ces vêtements. Je suis désolée, les filles. Alice, encore une fois, ne t'inquiète pas, d'accord? Laisse-nous nous occuper de tout. Mes parents m'ont donné énormément d'argent de poche pour cet échange scolaire et je sais qu'ils ne m'en voudront jamais d'avoir dépensé tout mon argent pour une bonne cause. Je sais qu'ils seront même très fiers de moi. Tu es sûre, Maïva? Tu en es sûre? J'aimerais pas que tu aies des problèmes avec tes parents à cause de moi. Bien sûr, j'en suis certaine, Alice. Je le sais, je connais mes parents. Ils sont vraiment hyper gentils et ils auraient fait exactement la même chose pour toi, d'accord? Alice, je te promets, je connais aussi les parents de Maïva. Et tout ce qu'elle te dit, c'est la vérité. Allez, maintenant, laisse-toi guider et on s'occupe de tout, d'accord? D'accord, merci beaucoup les filles. Super Alice, bon, eh bien, maintenant qu'on s'est mis d'accord sur tout ça, allez, on rentre dans la boutique. J'ai un petit peu repéré les vêtements, j'ai vu qu'ils étaient juste hyper beaux. Allez Mila, c'est à nous de jouer, il faut qu'on lui fasse une super sélection. Et ensuite, c'est Alice qui choisira, en fonction de ses goûts, des vêtements dans lesquels elle est le plus à l'aise, etc. Et voilà, ça y est Alice, notre sélection est faite, il ne te reste plus qu'à aller en cabine d'essayage et à essayer tout ça. Alors Mila, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de notre sélection? Franchement, il y a des choses que personnellement j'ai adorées. Moi aussi Maïva, il y a des vêtements juste beaucoup trop beaux dans cette boutique. Je suis sûre qu'elle trouvera son bonheur et à mon avis, on va être choqués en la voyant, c'est sûr et certain. Oui, enfin, ne sois pas trop pressée, Mila. J'aimerais vraiment garder la surprise et on la verra entièrement une fois que tout sera fait. La tenue vestimentaire, la coiffure, le maquillage, la manucure, la pédicure, tout ça, c'est seulement à la fin qu'on verra le résultat, d'accord? Il va falloir que je sois patiente, mais en attendant, on peut toujours faire des snaps. Allez, viens, je vais faire une story cette fois-ci. Par contre, Maïva, décale-toi un petit peu, on te voit pas trop. Et voilà, super, merci beaucoup. Et je vais écrire le premier jour d'une nouvelle vie. Voilà, ça représente parfaitement cette belle journée qu'on s'apprête à passer toutes les trois. Et voilà, c'est partagé en story. Alors Alice, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu t'en sors avec tous ces vêtements qu'on t'a sélectionnés? Oui, ça va les filles, j'ai presque fini. Si ça fait beaucoup de vêtements, je crois que j'en ai jamais vu autant depuis un petit moment. Prends ton temps Alice, d'accord? On patiente, ne t'inquiète pas, prends bien le temps de choisir les vêtements qui te conviennent le mieux, qui correspondent le mieux à ta personnalité et dans lesquels tu te sens le plus à l'aise, ça c'est hyper important. D'accord, merci beaucoup Maïva. Ça y est, j'ai presque fini là, j'ai plus qu'à me rhabiller, à remettre ma tenue de base, mon pantalon et voilà, c'est bon. J'ai fini et je crois que j'ai choisi ma tenue. Bon, eh bien, super, bravo Alice. Voilà, j'ai payé. Par contre, j'ai fait attention à ne pas regarder la tenue. J'aimerais vraiment que Mila et moi, on ait la surprise à la fin. J'ai trop hâte de découvrir ce que tu as choisi. Ça va être trop cool. Oui, Alice, moi je suis sûre que tu as fait le meilleur choix. Quelque chose me dit que tu as super bon goût, j'en suis même convaincue. Bon alors Maïva, c'est quoi la suite du plan? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, c'est très simple, on va aller chez la coiffeuse. Super, ok, mais par contre, je vais juste faire encore un snap avant qu'on y aille. Et voilà qui est fait, c'est bon, on va écrire tenue trouvée. Voilà, je suis tellement contente qu'il faut absolument que je partage tout ça en story. Allez, c'est bon, on peut y aller. Je sais pas comment vous remercier les filles. Jamais personne n'a fait quelque chose d'aussi gentil pour moi depuis très longtemps. Je sais pas quoi dire. Vous êtes vraiment des anges tombés du ciel pour moi. Ma vie était si sombre avant que vous arriviez. Et maintenant, je vois la lumière. Merci beaucoup. Mais non, ne pleure pas Alice, s'il te plaît. Allez, viens Mila, on lui fait un câlin collectif. Oui, câlin collectif. Ne t'inquiète pas Alice, ne pleure pas s'il te plaît. Allez, ça nous fait plaisir de faire tout ça avec toi. D'accord, merci encore les filles. Bon, allez, puisque tu as séché tes larmes, direction la coiffeuse.
Et voilà, Mila, nous, on n'a plus qu'à admirer le magnifique travail de la coiffeuse et à attendre le résultat final. Mais quelque chose me dit que ça va être une pépite. Ah mais oui, Maïva, mais attends, mais cette coiffeuse, je crois que c'est la meilleure coiffeuse que j'ai jamais vue de ma vie. Elle est incroyable. Et en plus, elle a l'air de super bonne humeur, elle a l'air géniale. Tu as vraiment fait le bon choix, Maïva. J'avoue que j'ai passé toute la soirée à lire tous les avis qu'il y avait sur les coiffeurs de cette ville, étant donné que je connais pas du tout, et là, c'était le salon de coiffure qui avait les meilleures notes. Tout le monde parlait de cette coiffeuse exceptionnelle. Du coup, j'ai hâte de voir le résultat de son travail, moi aussi. On n'a plus qu'à faire preuve d'un petit peu de patience. Looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest. Merci beaucoup, madame, pour votre travail. Franchement, vous êtes largement à la hauteur de votre réputation dans cette ville. Vous n'êtes pas la meilleure coiffeuse et la meilleure maquilleuse pour rien. Merci encore, vous êtes vraiment la meilleure. Tenez, c'est pour vous. Ah, mais de rien, vous savez, moi, la coiffure et le maquillage, c'est ma passion. J'aime trop faire ça et voir mes clientes heureuses, c'est la plus belle récompense que je puisse avoir. En tout cas, je suis ravie que mon travail vous ait donné un tiers satisfaction et j'espère vous revoir très bientôt. En tout cas, une chose est certaine, c'est que moi aussi, je mettrai un avis hyper positif sur votre travail et votre salon. Encore un immense merci à vous. Je vous en prie, au revoir, à bientôt. Oui, au revoir, madame. C'est bon, Mila, j'ai payé la coiffeuse, elle est vraiment exceptionnelle. On a les vêtements, il ne nous reste plus qu'à rentrer à la maison et à laisser notre Alice se préparer, mettre sa tenue, etc. Et ensuite, on pourra découvrir le résultat final. Je pense que ça va être juste incroyable. Ah, mais j'en suis certaine, Maïva. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Je suis sûre qu'Alice est en fait d'une beauté exceptionnelle. Je ne sais pas pourquoi, j'en suis convaincue. Bon, eh bien, écoute, plus une minute à perdre. Viens, on rentre à la maison. Oh my god, ça fait au moins 10 minutes qu'elle est dans ma salle de bain en train de s'habiller, de peaufiner son maquillage, etc. J'ai trop hâte, je suis trop impatiente, j'ai trop hâte de découvrir le résultat. À qui le dis-tu, Maïva? Moi, je suis vraiment pas patiente. Je sais même pas comment est-ce que j'ai fait pour patienter jusqu'à maintenant. Mais par contre, là, je pense que je pourrais pas attendre une minute de plus. Viens, on va aller voir si elle est prête. Alice, c'est bon? T'as fini? T'es prête? Est-ce que tu peux sortir de la salle de bain? Mila, ne la stresse pas trop, s'il te plaît. C'est un moment important pour elle. Alice? Si t'as besoin d'aide, surtout, n'hésite pas, on est là, d'accord? Oui, les filles, j'ai presque fini, c'est promis. Il y a juste quelque chose que j'arrive pas trop à mettre, mais j'ai bientôt fini. J'arrive tout de suite. Ok, Alice. Bon, moi, je vais aller m'asseoir, t'attendre sur le fauteuil. Voilà, là, je pense que le temps va passer un petit peu plus vite. Ne t'inquiète pas, Alice. Prends ton temps, d'accord? On t'attend avec Mila. Merci, Maïva. Oh my god. Alice, c'est toi? Tu es la même Alice? Non mais, c'est pas possible. Tu es d'une beauté incroyable. Mais oui, Alice, on dirait une Miss Univers, c'est pas possible, t'es beaucoup trop belle. Vous êtes sûres, les filles? Merci beaucoup, merci, ça me touche de vous entendre dire ça. Je sais pas, moi j'ai un petit peu de mal, ça fait des années que je me suis plus vue comme ça. Vous dites pas ça juste pour me faire plaisir ou peut-être même pour vous moquer de moi? Mais non, comment ça, Alice? Jamais de la vie on ferait ça. Ça vient tout droit du cœur, on est sincère. Je te promets, tu es vraiment hyper belle, tu es magnifique. Oui, c'est vraiment sincère, tu es trop belle, Alice. Merci beaucoup, les filles. Mais tout ça, c'est grâce à vous. J'y serais jamais arrivée sans vous. Merci beaucoup. Et c'est bizarre, ça me redonne confiance en moi. Mais oui, Alice, c'était le but aussi. Déjà que tu exprimes ta véritable beauté intérieure et aussi que tu reprennes confiance en toi. En tout cas, je suis ravie que notre mission a été accomplie. Mila, ça mérite quoi à ton avis? Ça mérite une danse de la joie. Les filles, vous me faites trop rire. Vous êtes vraiment trop gentilles, trop mignonnes. C'est votre danse de la joie? Est-ce que je peux danser avec vous? Parce que moi aussi, ça fait très longtemps que j'ai plus été aussi heureuse. Bien sûr, Alice, allez, la danse de la joie, elle est pour tous, c'est parti! Oui, Alice, allez, lance-toi, rejoins-nous pour la danse de la joie!
Ça m'a fait un bien fou de danser comme ça avec vous. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais plus dansé, que je n'avais plus été heureuse, aussi heureuse, tout simplement. Merci les filles. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes vraiment des anges tombés du ciel pour moi. De rien Alice, nous aussi on est ravis d'avoir rencontré une personne comme toi, une personne exceptionnelle. Et maintenant, ton aspect extérieur ressemble à ton aspect intérieur. Tu es aussi belle de l'extérieur que de l'intérieur. Merci beaucoup Maïva, c'est trop gentil. Je me sens super bien grâce à vous. Par contre, j'ai juste un petit souci, j'ai quelque chose qui me gêne derrière. Je sais pas, c'est peut-être le bouton de mon haut ou la fermeture. Maïva, tu peux regarder s'il te plaît ? Oui, oui, bien sûr, je vais regarder ça, t'inquiète pas. S'il y a quelque chose qui te gêne, je vais arranger ça. Attends, fais voir. Ah, ça y est, je vois ce qui te gênait. Ok, c'est le bouton ou peut-être l'étiquette. Attends, je t'enlève tout ça. Par contre, c'est quoi que tu as juste là ? Une tache de naissance ? Oui, c'est une tache de naissance qu'on se transmet de mère en fille, de génération en génération depuis très 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 longtemps, depuis des siècles et des siècles. Mais Alice, ta tache de naissance, elle est en forme de couronne royale. Attends. Une tache de naissance en forme de couronne royale qui se transmet de mère en fille, de génération en génération depuis des siècles. Alice, est-ce que j'ai bien compris ? C'est quoi cette histoire de couronne royale, Maïva ? Oh non, mon secret ! J'étais censée ne rien dire à personne, mais je n'ai vraiment pas fait exprès. Oh non, mes parents ne doivent jamais apprendre que vous savez quelque chose. Sinon, vous risquez votre vie.